Bonjour à tous, ici Raymond Rougeau, maire de Rodden. Hello everyone, Raymond Rougeau, maire of Rodden. An English message will follow. Voici quelques faits saillants de notre séance régulière du conseil qui s'est tenue le 11 septembre au Centre Metcalf. Tout d'abord, on veut féliciter la fromagerie Roy qui a remporté le prestigieux prix Casus pour leur fromage cheddar en grains. Vraiment d'une qualité exceptionnelle, c'est un prix dont on est fier d'avoir un de nos commerçants remporté. Alors, félicitations à la fromagerie Roy. Également, nous avons procédé à des renouvellements de règlements d'emprunt. On avait pour 2 315 000 $ qui étaient échus. Dans les mauvaises nouvelles, on sait que les taux d'intérêt grimpent, mais ça grimpe pour nous aussi. Ces règlements d'emprunt étaient financés en bas de 2 % avant, avec le renouvellement, avec le plus bas soumissionnaire. On se trouve à 5,26 % de frais d'intérêt. Alors, ça augmente beaucoup, ça augmente pour vous, ça augmente pour nous aussi. Nous avons fait 3 demandes d'aide financière pour l'aide à la voirie locale, pour l'entretien de nos routes. Il y a 3 chemins qui ont été ciblés, qui sont admissibles. Il y a la rue Park, le chemin Morgan et le chemin Forêt. Alors, ça, c'est des bonnes nouvelles. On va attendre voir si ça va être accordé. Également, l'Halloween approche à grands pas. Et puis, on a fait une demande au ministère des Transports pour la fermeture de la rue Queen, comme d'habitude, entre la 4e et la 6e avenue. Et nous allons également fermer le stationnement de l'hôtel de ville pour justement des activités qui vont se passer. Et c'est toujours pour la sécurité de nos gens. Alors, je vous suggère de consulter notre site web pour tous les détails là-dessus. Notre prochaine séance du conseil sera le 10 octobre au Centre Metcalf. On vous y attend en grand nombre. All right, here we go. Here are some of the highlights from our public meeting that we had at Metcalf Center. First of all, congratulations to the Fromagerie Roy. They won a prestigious award for their cheese, and we're very proud of them. Also, we went and the renewal of some of our loans. Of the amount of $2,315,000. We used to have an interest rate below 2% with the, everyone knows that the interest rates have gone up. Now we're gonna pay 5.26% interest. So it's gonna cost a lot more for the same loans, but we don't have any choice on that. We have 3 requests for grants for the maintenance of our local roads. 3 roads have been, are admissible and have been targeted. We're talking about Park Road, Morgan Road, and Le Chemin Forest Road. So we'll be waiting to see if we will receive the grants, and then the work will get going on that. Halloween is just around the corner, October 31st. We asked the Ministry of Transportation to close Queen Street like we normally do between 4th and 6th Avenue. And we're also closing our parking lot behind City Hall. A lot of activities will be going on. Check the website for all the details. And our next public meeting will be on Tuesday, October 10th at the Metcalf Center. Alors, amusez-vous, profitez de l'automne, puis on se voit à l'Halloween bientôt.